Bonjour. Cette partie-là, je crois que je vous l'avais déjà montrée. Par contre, ce matin, alors j'avais fait une vidéo, mais ça n'a pas pris. Pas de chance. J'espère que ça la prendra. Ce matin, j'ai mis ça. Alors, dessous, il y a à la base. Voilà, on voit, il y a du carton. Était là déjà depuis, je l'avais mis depuis, je sais pas, dans la précédente vidéo, peut-être qu'on le voit déjà par terre. Ensuite, il y a une couche de paille, une couche d'herbe, une couche de paille, une couche d'herbe, un peu de terre dessus, et un paillage, c'est des copeaux de chambre, voilà, que j'ai récupéré, que j'avais mis l'année dernière dans cette portion-là. Et comme il est encore bien en bon état, ici, je vais mettre mes pommes de terre. Demain, je vais enlever tous ces panneaux-là. Ces panneaux, parce que le soleil, le matin, il arrive là-bas. Il arrive comme ça, là. Et il passe, enfin, plus, voilà, il part plus. Quoique, non, 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 c'est ça. Il part comme ça. Il arrive comme ça. Donc, ici, là, le matin, j'aurai d'entrée de jeu du soleil qui viendra jusqu'à là, hein, qui tapera un peu tout ça. Et comme la dame s'en va, ma voisine s'en va, voilà, je les ai enlevés, les rangés proprement et juste pour dégager cette partie-là. Le terrain est vendu à côté, donc elle que ça va être détruit, ça va être construit, on s'en fout. Et moi, du coup, là, je vais me faire un bac avec ces planches là, je vais faire un bac propre pour refaire tout ce qui est, voilà, tout ça là qui est un peu, qui avait été fait un peu, voilà, avec des trucs. Et pareil, j'ai récupéré trois planches là qui étaient là de l'autre côté, hein, et qui étaient en train de pourrir, on voit bien d'ailleurs, hein. Mais voilà, il y a encore des parties bonnes comme là c'est encore bon. Là c'est pourri, là c'est tout mort, mais il y a des parties bonnes dessus, les autres sont un peu pareilles. Je vais essayer de récupérer des parties et faire un truc un peu plus propre. Allez, c'est parti. Sans comment Since I was just a little boy. Been wondering why this great old culture we should be helping to heal is so often pushed aside. So many children taken away, so much abuse and rape. When will it be high priority to educate and make some real change? I've seen it in communities. So many that it's hard to believe. Elders speaking wisdom far beyond what they choose to teach in history. Young hearts just drinking it away, understanding why the culture was so shamed. Waiting for a reason, what was taken now still hasn't been. Eyes. I saw it with my own eyes. Did, yeah, I did. That's why I know this is true. Yeah, it's true. I've seen it down in sacred Tassie, where they're cutting all those big old trees. 44 football fields a day is what they clear, and ain't that hard to believe. But all for the economy, raping country that our children won't see. And even Peter Garrett is lying down when we thought that he might be the key. Yeah, well, my own eyes, I saw it with my own. I did.
seen it up in Illinois, bringing alcohol to sacred soil. Place still thriving with language and culture by now should just fucking be preserved. People climbing up on Uluru, behind those fences are the people who know. While Qantas is still flying to his rock, despite years and years of truth, yeah, well, Mount Ives, I saw it with my own eyes. Did, yeah, I did. That's why I know this is true, yeah, it's true. Of the rich, no respect for culture, the animals, the environment, our future, or just the air we breathe. Yeah, well, I won't ask. We've seen with our own eyes. For years we did, centuries we did, that's why we know this is true. Your Mount Ives, I saw it with my own eyes. Did, yeah, I did. That's why I know this is true, yeah, it's true. Et voilà, c'est fini. Alors voilà ce que ça donne. Là, je vais lui mettre des patates. Je vais voir ce qui pousse avec des patates et qui n'a pas besoin de beaucoup de soleil, parce que là, il n'y aura pas beaucoup de soleil. Voilà. Petit mur de séparation qui va pas bien profond. Hein. C'est juste pour faire sympa, quoi. Et là, on est venu jusqu'au bord du... Voilà, comme ça ferme tout. Je sais pas si on y voit trop, j'espère. Voilà, bon là c'est en plein cagnasse, donc voilà. Ben, on a gagné un peu de place. Puis ben, demain ou après-demain, je sais pas, je vais enlever ces deux panneaux là. Ça fera plus joli avec le derrière le bananier et tout ça là, ça fera vraiment plus sympa. Donc voilà, on attend un peu et on sort tout ça. J'ai planté quelques pommes de terre.
déchoucabu. Alors ça va prendre longtemps. On va les mettre par là au fond aussi. Le contour des choux cabu. Alors on a des choux de Bruxelles maintenant. Alors, choux de Bruxelles, on va les mettre là. Deux par deux, je plante. Là, il y en a trois, quatre. Et des poirées, des blettes. Ben ouais, mais non. Voilà, ça s'est arrosé, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Ouh, ça va en mettre du temps à pousser, hein. Non. Dans deux ou trois semaines, c'est tout vert. Là. Deux ou trois semaines, ça va être tout vert. T'as planté quoi, là? Des pommes de terre. Oh, des pommes de terre. Des choux de Bruxelles. Du chou. Les choux Bruxelles, je les reconnais facilement. Et des blettes. Et voilà, c'est le moment de se quitter. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis à très vite. Ciao. Adios.